Mes chers amis, bonsoir. Mes chers amis, gilets jaunes, bonsoir. Je dis gilets jaunes parce que il est temps de devenir gilets jaunes pour les derniers qui ne le sont pas encore parce qu'ils n'ont pas encore compris de quoi il s'agit aujourd'hui. Je ne vous parle pas à l'initiation du mouvement par le système. Je vous parle de quelques semaines après. Je vous parle de plusieurs mois après. Je vous parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gilets jaunes, c'est le peuple. C'est nous les esclaves. Et nous nous battons contre toujours les mêmes, le même mal, depuis pas uniquement des siècles, mais depuis des millénaires, mes chers amis. J'essaie de vous l'expliquer tous les soirs. C'est encore et encore, c'est les mêmes boucles. C'est les mêmes boucles que vous retrouvez dans l'histoire de l'humanité. C'est les mêmes révoltes, c'est une révolte des esclaves. Sauf qu'aujourd'hui, l'illusion est tellement bien ficelée que les esclaves ne se rendent jamais compte qu'ils sont des esclaves. Jusqu'au bout, ils croient qu'ils font partie des privilégiés. Puis un beau jour, ils ouvrent les yeux, une fois qu'ils ont passé leur vie à se battre pour devenir riches avec les riches, ils découvrent qu'ils n'y arriveront jamais, comme leurs frères et sœurs, comme leurs parents, comme leurs grands-parents. Il est très difficile, hein, de décoder ça. Alors j'essaye de vous donner des éléments, parce que c'est la seule stratégie qui nous fera enfin nous affranchir. Et là, je ne parle pas uniquement des Français, des Tunisiens. Là, je parle de la planète entière. Alors hier, je vous ai parlé un peu de l'Empire romain au travers de Spartacus, agent du système, si vous ne l'avez pas encore compris. Je pourrais aussi aujourd'hui remonter encore plus dans le temps, vous parler des pharaons, vous parler de Ramsès, Ramsès II, Ramsès III. Comme ça, vous pouvez voir qu'il y a toujours la même équation, une infiltration par l'intérieur, au travers de la séduction, de l'amour, des interdits, au travers des mariages aussi. Eh bien, l'amour, mes chers amis, je vous ai toujours parlé du chiffre 2. Le chiffre 2 est essentiel. Notre monde, en tout cas comme il est conçu, est basé sur le 2. La lune et le soleil, le chaud et le froid, l'eau et le feu, tout est deux, l'homme et la femme. Et on est donc dans des oppositions extrêmes. Vous prenez l'eau et le feu, c'est quand même des oppositions incompatibles. Et tout le jeu est d'arriver à concilier les oppositions, parce que lorsque vous arrivez à obtenir des deux, eh bien, vous réussissez ce monde. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est la difficulté de cette expérience sur la planète Terre. Alors, il est évident, encore une fois pour votre serviteur, d'après toutes mes recherches, que cela ne peut pas s'arrêter ici. Il doit y avoir un niveau supérieur, une autre expérience. Mais je doute que cela soit donné à tout le monde de déjà réussir l'expérience dans laquelle nous sommes. Non seulement parce que c'est difficile de faire ce travail spirituel, mais en plus, parce que le système essaye par tous les moyens de nous éloigner de la vérité.
Et plus on avance dans le temps, et plus le système acquiert de la technologie qui nous enferme dans une bulle d'histoire erronée, de données, de fausses données et de données inversées pour nous éloigner le maximum de cette élévation spirituelle, de la vérité, pour aussi nous empêcher de nous affranchir en tant qu'esclaves. Et donc c'est assez difficile à décoder. J'espère servir à beaucoup d'entre vous comme porte d'entrée, mais cela demeure avant et malgré tout un travail personnel. Parce que il vous faut absolument tout remettre en question, il vous faut tout réfuter. Alors beaucoup d'entre vous sont comme votre serviteur, c'est-à-dire que depuis votre tendre enfance, vous avez déjà commencé ce travail, vous avez tout de suite compris que le monde ne tourne pas rond, qu'il y avait beaucoup de choses qui clochaient, que la matrice comprenait à répétition des bugs. Vous avez vu plusieurs fois, à l'image de Matrix, la même séquence du chat noir qui passe se répéter. Et si vous avez commencé ce travail, c'est tant mieux pour ceux qui ne l'ont jamais initié. J'espère vous aider. Et donc, il vous faudra tout réfuter. Tout ce qu'on vous a appris, votre entourage, votre famille, l'école, les manuels scolaires, les manuels d'histoire, tout ce que vous avez regardé à la télé, écouté à la radio, lu dans les journaux, absolument tout, sans exception, y compris vos croyances religieuses. Il va falloir tout réfuter, ouvrir votre esprit, vous retrouver entre vous et vous-même, et composer ce puzzle que vous avez accompli jusqu'à présent au travers de vos expériences, de votre vécu, de votre intelligence aussi, et de votre instruction. Et quand je dis instruction, ce n'est pas forcément ce que vous avez appris encore une fois à l'école. Votre instruction passe aussi par toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube, tous les articles de blog par exemple, les informations que vous voyez par-ci par-là sur Facebook, ce que vous avez entendu peut-être dans une soirée qui vous a tordu de rire parce que vous avez trouvé l'interlocuteur complètement cinglé. Il s'agit de cette capacité d'analyse qui est en chacun et chacune d'entre nous. Il s'agit de l'activer. Et après, vous cheminerez tout doucement parce que votre réflexion vous amènera à faire des recherches. Et c'est vos recherches qui vous ouvriront les yeux. Voilà, mes chers amis. Alors, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, mais il est évident que nous vivons à répétition la même problématique, donc du fait que nous ne savons jamais où commence la manipulation et où elle s'arrête. Commencez déjà par voir autour de vous. Vous allez être sacrément surpris. Ensuite, je suis là pour vous donner un éclairage sur les manipulations au niveau de notre pays, au niveau géopolitique dans ce monde, et en m'appuyant bien entendu sur tous les échecs passés, parce qu'il n'y a jamais eu aucune réussite dans l'histoire de l'humanité. Tout a foiré.
À chaque fois que nous avons essayé de construire un monde meilleur, à chaque fois que nous avons voulu créer le paradis sur Terre, eh bien, nous avons échoué. Et ici, je vous donne à chaque fois la raison, et vous avez remarqué que la raison est toujours la même, c'est l'infiltration, l'infiltration par les agents du système. C'est les dégels, les antéchrists, les manipulateurs, les comédiens, ceux qui, les faux prophètes, ceux qui vous font croire qu'ils sont là parmi vous, comme vous, identiques à vous, pour se battre à vos côtés, pour les mêmes raisons, mais qui en réalité ont été mis sur pied ou par la suite noyautés, corrompus ou manipulés, tout est valable, pour servir à vous débrancher, dans le meilleur des cas, ou à vous faire exterminer lorsqu'ils vous envoient dans la gueule du loup. Vous remarquerez que dans toute l'histoire, ces personnages n'y laissent jamais la peau. Pour certains, il y a la gloire, comme Daniel Cohn-Bendit. Pour plein d'autres, il y a la disparition. Mais nous n'arrivons jamais à trouver leur corps. Alors, ce qui revient souvent, c'est le fait qu'une fois les rois, entre guillemets, élus, et là on peut parler, encore une fois, on peut démarrer très très loin, des Sumériens en passant par les pharaons ont vécu dans une bulle, et les pharaons, ce n'est pas du tout le récit que vous voyez dans les films et dans les merdias. Ce n'est pas du tout des gens qui sont vénérés comme des dieux et qui obligent les Égyptiens à les vénérer comme des dieux. C'est pas du tout ça. Un pharaon, c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un président ou ce que nous avons vécu il y a quelques siècles. C'est un roi avec des droits et des obligations, et croyez-moi, avec beaucoup, beaucoup d'ennuis en permanence, si jamais le peuple a faim. Et donc, une fois qu'ils sont élus, eh bien, que ce soit les pharaons, que ce soit les rois, que ce soit les présidents, et c'est actuellement le cas du président Macron. Déjà, la manipulation démarre lorsque, tout au long de sa vie, de leur vie, et là, on peut parler de Macron aussi, ils sont canalisés dans un chemin auquel ils peuvent rarement échapper. C'est-à-dire au travers de leurs études, au travers de leur carrière, à chaque fois, ils pensent que c'est le hasard. Il n'y a pas beaucoup de hasard dans ce monde. À chaque fois, ils pensent que c'est les bonnes rencontres. Il n'y a pas beaucoup de hasard dans ce monde. Et à chaque fois, ils pensent que c'est leur bonne étoile, c'est leur chance. Il n'y a pas beaucoup de hasard dans ce monde qui les conduisent d'aller d'aventure en aventure, d'expérience en expérience, et de gravir progressivement les échelons. La franc-maçonnerie fonctionne sur ce même principe, c'est-à-dire que pour que vous passiez les grades, on va vous examiner par un ensemble de questions, et peu importe votre réponse, on vous dira à chaque fois que vous avez gagné. Sauf que du coup, le filtre se fait ailleurs. Il y a les meilleurs éléments qui sont entre parenthèses les pires éléments,
qui sont donc recrutés dans, on va dire, d'autres échelons, d'autres échelles, qui sont secrètes pour les autres, qui n'ont pas été sélectionnés, mais à qui on a fait croire qu'ils avançaient sur la même graduation. Eh bien, c'est la même chose aussi par rapport au faux hasard dans lequel nous vivons. Et donc, des personnes qui ont été prises, il y a aussi les personnes qui proviennent beaucoup hein, de l'ASE, toutes les personnes qui sont privées dans leur vie de leurs parents pour une raison ou pour une autre. Mais là, penchons-nous sur le cas Macron. Macron a été donc a fait cette rencontre qu'il croyait le fruit du hasard avec sa manipulatrice, future femme. Il avait l'âge de 15 ans. Il se croyait très en avance sur son âge parce que il se croyait en mesure de pouvoir être en couple avec une femme de la quarantaine. Je lui demande aujourd'hui, à 40 ans, est-ce que il peut se comparer à un enfant de 15 ans, maintenant qu'il est président, à 40 ans? Je doute, hein. Et ensuite, donc, la bulle, elle s'est formée. Et il est parti de faux succès en faux succès. Il a été, entre guillemets, sans le savoir, bien entraîné. Et le voilà, croyant que c'est sa propre intuition, que c'est son propre choix, décidé à s'embarquer pour devenir président. Et le voilà, conforté encore dans son intuition, jusqu'à friser la folie, comme un certain Adolf Hitler. Le voilà qui réussit absolument tout ce qu'il touche, un peu comme un prophète, et qui devient président. Eh bien, l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que la bulle ne s'arrête jamais, en tout cas ne s'arrête pas pour lui. Donc voilà. Que comme pour les pharaons, comme pour les rois, comme pour nos présidents, comme pour Macron, il y a toujours, comme il y a toujours eu, ce problème du palais présidentiel, pour parler en images, mais particulièrement ce problème de l'entourage, l'entourage des présidents, l'entourage des rois, l'entourage des pharaons, cet entourage qui l'enferme dans une bulle. Avant, dans le temps, il y a certains rois qui s'amusaient donc à cacher leur identité, à se déguiser pour aller prendre le pouls directement dans le peuple et ils en étaient vachement secoués. Une fois qu'ils avaient vu la différence extrême du ressenti du peuple envers son roi et de ce que les manipulateurs, l'entourage, jusqu'à la famille royale lui faisaient croire. Alors aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, cela devient difficilement possible, sauf au travers des réseaux sociaux eux-mêmes qui sont une bulle. Aujourd'hui, le peuple lui-même est dans une bulle. Donc, il devient extrêmement difficile, voire impossible pour un président avec la charge et comment on l'occupe, on le bombarde du matin au soir, de sortir un de la bulle dans laquelle on l'a enfermé depuis son enfance, c'est-à-dire l'entourage direct familial. De la bulle présidentielle, totalement noyautée,
étroit de la bulle dans laquelle nous vivons tous, le peuple, la bulle Internet, la bulle merdia. Donc le noyautage de l'entourage du chef de l'État, ça, c'est un vrai problème. Il va nous falloir le résoudre si nous voulons arriver à une vraie solution. Le noyautage donc du président, ce n'est plus un secret. Cette équipe qui s'appelle le GSPR, que Nicolas Sarkozy avait initié, qui consiste à créer un groupement, on va dire, indépendant de sécurité, obéissant directement au président. Mais ça, c'est une illusion. Mais entourant plutôt directement le président, indépendante de tout contrôle de la gendarmerie et de la police, et bien au contraire, chapeautant la gendarmerie et toutes les autres forces de sécurité. Le président lui-même chapeaute l'armée, il est le chef de l'armée, il a le bouton nucléaire. Donc vous voyez bien qu'au final, on a entouré quelqu'un de central qui doit prendre des décisions radicales au niveau de notre armée, d'une soixantaine de personnes qui sont absolument sous aucun autre contrôle. Une personne, quand bien même elle serait un président, ne peut jamais échapper à la manipulation de autant de personnages, 60 personnes, plus sa propre famille, plus tous les conseillers, les secrétaires d'État, tout ce beau monde, les secrétaires de l'Élysée, les équipes, leurs équipes. C'est absolument impossible, seul, d'arriver à convaincre autant de monde sur, par exemple, un sujet sur lequel tout le monde va donner le même avis. Par exemple, imaginons que ce soit déclencher une guerre. Et si vous le faites une fois, il est très difficile de le faire en permanence pendant tout son mandat sur absolument tous les sujets. Ça, c'est un plus grand problème que de penser immédiatement à vouloir destituer qui que ce soit ou installer un RIC ou quoi que ce soit d'autre. Parce que nous sommes, vous l'avez constaté, nous sommes à la veille, et ça fait longtemps que ça couve, d'une guerre totale. Et il est de la plus haute importance pour nous de prendre notre destin en main et qu'on ne se laisse pas utiliser comme chair à canon, comme ça s'est passé pour les guerres précédentes. Et vous vous souvenez toutes et tous, sans même l'avoir vécu, il suffit de regarder un petit peu ce qui s'est passé, le passé. Regardez tous les lieux de mémoire en France, vous voyez le nombre de morts qu'il y a eu. Il y a donc ces gens manipulateurs qui ont toujours fonctionné avec le même système, faire la guerre avec le sang des autres. Et ce sera encore et encore notre sang qui sera versé. Alors il est urgent de nous prémunir et de prévenir, hein, plutôt que guérir, parce qu'il sera impossible de guérir. Il est urgent de prendre conscience que même si un président ouvre les yeux et change d'avis, ce qui est arrivé plein de fois dans l'histoire, y compris avec Ariel Sharon, que beaucoup disaient le diable en personne, et effectivement, il a été, lors de son élection et lors du début de son mandat, extrêmement, on va dire, agressif, vindicatif, guerrier. Mais, et ce n'est pas le premier,
À la fin de son mandat, il a tout essayé pour faire marche arrière, pour décoloniser, pour faire des accords de paix. Et vous savez comment il a terminé? Il a terminé dans le coma, comme un légume. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, de dictateurs qui sont installés, que ce soit par la France ou par d'autres, qui à un jour ou l'autre, arrivés un jour, ne veulent plus exécuter les ordres, qui essayent de sauvegarder leur peuple et de prendre leur indépendance, en tout cas en tant que président, et qui ont très mal fini. Au minimum, ils ont été, on va dire, renversés, délogés de force. Et pour beaucoup, vous le savez, ils ont été assassinés, tout simplement. Alors là, on peut penser à Muammar Kadhafi. Nous pouvons penser à Saddam Hussein. Et il y a plein d'autres exemples. Là, je préfère rester donc sur Kadhafi. Et donc, il y a d'autres présidents qui ont été délogés. On les a exfiltrés ailleurs. Et là, alors cela, il y en a d'autres qui ont été renversés et accusés des pires horreurs. Et là, vous en connaissez aussi, non seulement le président serbe, mais là pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc du président Gbagbo. Donc Gbagbo, qui a été délogé de force par toujours le même, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui est absolument, qui a un pied absolument dans la plupart des pays du monde. Rappelez-vous celle qu'il voulait absolument installer en Colombie, Betancourt, Ingrid Betancourt. Il a réussi à installer sa propre ambassadrice comme présidente en Géorgie tout récemment. Il est absolument sur tous les fronts. Et donc il avait délogé Gbagbo, élu démocratiquement, pour installer Ouattara. Heureusement donc que Gbagbo a résisté, qu'il a tenu bon, qu'il a refusé de pactiser. Heureusement que beaucoup d'êtres humains se battent de plus en plus pour faire éclater la vérité, comme votre serviteur et plein d'Africains et plein d'Européens et plein de tous bords, de juifs, de musulmans, de catholiques, de son religion, d'athées. C'est nos limites, hein, heureusement. Les hommes et les femmes justes existent, ils sont de tous bords. Et nous avons vu que récemment, Gbagbo a réussi. Et c'est un miracle d'avoir à avoir gain de cause, à être innocenté, sauf que il ne jouit pas de de sa liberté totale, ce qui est absolument incroyable. Je vais m'arrêter là pour la partie introduction pour ce soir. Je vais donc en lien avec ce que je viens de vous dire à la fin, je vais vous diffuser donc l'appel de Kémi Séba. Je ne vais pas vous dire de quoi il va parler, ni vous le présenter. Il le fera de lui-même. Il a fait une vidéo qui se suffit à elle-même. Et donc bien entendu, c'est un soutien de Gbagbo, et pas que. C'est un fervent militant anti-France-Afrique et pour l'indépendance du peuple africain. Et c'est dans notre intérêt à toutes et à tous que l'Afrique et les pays africains s'affranchissent de la mainmise de la République maçonnique française. Et il n'y a pas que la France qui opère en Afrique, mais déjà commençant par notre pays.
Mes chers amis, ce que nous faisons en France, les Gilets jaunes, c'est extrêmement important, c'est fondamental, c'est même vital pour l'humanité. Nous n'aurons pas de deuxième chance, ni nous, ni les autres. Et donc, ceci, comme vous le voyez, paye. Tous ceux qui vous diront que ça ne sert à rien sont absolument des menteurs, des manipulateurs et des contre-révolutionnaires. Vous voyez que ça paye lorsque vous regardez l'Algérie, lorsque vous regardez plein de pays africains et plein de pays dans le monde qui font tout, eux aussi, en même temps que nous, pour occuper cette toile qui tient la planète, cette toile de réseaux secrets, services secrets, sociétés secrètes. C'est perméable, c'est presque la même chose. Donc il est absolument vital pour nous tous que eux ne lâchent jamais la pression et que nous ne lâchions jamais la pression. Le combat est uniquement politique. Il faut s'éveiller les uns des autres, mais surtout, il faut continuer absolument les samedis jaunes. Et il faut ajouter ce que je vous ai dit, le 13h jeûne, qui consiste à tous les jours, sans exception, à 13h, on met son gilet jaune pendant une minute, peu importe l'endroit là où on est, et c'est encore mieux si on est vu dans une rame de métro, dans un bus, ou à l'extérieur dans la rue, ou dans un McDo. C'est important, la visibilité par les autres. Donc, un dernier mot avant de lancer la vidéo. Ceux qui pensent encore, donc je vous ai appris et je vous ai démontré qu'il y avait beaucoup d'icônes, de fausses icônes, qu'il fallait absolument les remettre en question. Eh bien, ce soir, j'en profite en parlant de ce sujet pour vous dire, pour vous rappeler que De Gaulle n'est pas un exemple. De Gaulle qui est utilisé à outrance par le système, par tout le monde, y compris par votre serviteur, parce que je vous parle dans un codage et dans un langage que vous connaissez, je ne vais pas vous parler d'autre chose. Donc lorsque je vous dis soyez tous le général De Gaulle, je sais que tout de suite vous comprenez le message. Mais si je commençais à vous expliquer que le général De Gaulle a passé trop de temps à Londres et qu'il a donné de fausses indépendances de façon organisée, de façon extrêmement machiavélique, et qu'il a commis les pires horreurs et les pires barbaries en Algérie et ailleurs, y compris contre des citoyens français. Alors, vous ferez mieux de commencer à chercher et pas, encore une fois, dans les livres officiels et pas sur RMC Découverte ou autres documentaires officiels. Alors, je vais vous lancer la vidéo, mes chers amis. Que la paix soit sur vous tous. Que la paix soit sur vous tous. Donc, comme vous l'avez sans doute appris, il y a un avis de recherche qui a été lancé contre ma personne par la police et par les autorités ouattaristes. D'accord? Apparemment, donc, ils s'inquiéteraient profondément de la mobilisation pacifique. On a bien précisé pacifique. Nous rejetons la violence pacifique contre le néocolonialisme. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est le pays qui accueille royalement Bolloré, pilleur de l'Afrique, qui accueille royalement Nicolas Sarkozy, pilleur de l'Afrique, seigneur de l'Afrique, qui accueille toutes les multinationales occidentales qui pillent nos pays, pendant que notre peuple vit en dessous du seuil de pauvreté, d'accord? Et dans ce même temps, c'est Kémi Séba, militant anticolonialiste, que l'on arrête. Cela montre ce que nous cherchons à prouver depuis déjà un certain nombre de temps. Le problème principal de nos populations dit toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Tant que certains de nos dirigeants défendront le pillage de nos terres par des forces exogènes en concubinage incestueux avec les forces endogènes, notre peuple ne s'en sortira pas. Nous ne sommes pas venus pour l'anarchie. Nous ne sommes pas venus pour la violence.
sommes venus pour une seule situation. Pensez-vous normal que nos populations vivent en dessous du seuil de pauvreté, pendant que les élites françaises puissent se remplir les poches, puissent détourner des milliards à partir de notre sol? Pensez-vous normal qu'au XXIe siècle, la terre la plus riche du monde compte une population des plus pauvres, je parle de l'Afrique dans sa globalité, et a fortiori de l'Afrique de la zone franc, d'accord? Une terre qui nourrit l'humanité dans son ensemble, pendant que nos populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pendant combien de temps notre peuple va vivre dans ces conditions? Donc il y a une chose qui est simple. Je viens d'apprendre qu'une partie de mon staff vient d'être arrêtée par la DST, d'accord? Je devais voir normalement ce soir Simone Gbagbo. Apparemment, c'est peut-être un symbole aussi qui ne plaît pas aux autorités. On va être très clair, je vais me rendre à la DST parce que je n'ai peur de personne. Quel que soit ce qui se passe, je n'ai rien à me reprocher. Je suis pour une démarche de paix, mais de justice. Et personne sur cette terre ne m'empêchera de mener le combat politique pour la reconstruction et pour l'autodétermination, pour la liberté de notre peuple. C'est un combat d'amour, ce n'est pas un combat de haine. Nous ne pouvons pas accepter que nos populations se fassent dépouiller pendant que d'autres se gaffent sur notre dos. Ce combat-là n'est pas un combat contre la France, comme certains ignorants l'ont dit. Les gilets jaunes eux-mêmes sont ostracisés par leur propre gouvernement, quoi qu'on puisse dire de ces derniers. Le prolétariat existe dans tous les pays. Le prolétariat n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de justice sociale. La majorité de ce prolétariat, les damnés de la terre d'aujourd'hui, en majorité sont les Africains. Et le combat que nous menons, c'est pour que ces Africains puissent accéder à leur propre autodétermination. Certains ne veulent pas aimer les Africains, c'est pas grave, ils n'ont qu'à ne pas les aimer. Mais on va les forcer à nous respecter. Et ça commence par ce courage que nous devons d'avoir. Certains m'ont dit qu'Emmy, il ne fallait pas aller là-bas, c'est un pays risqué. Ouattara, c'est le pion de la France-Afrique. Non, c'est à cause de cette mentalité-là qu'on n'avance pas. Il est temps d'arrêter d'avoir peur. Il est temps de tuer la peur. Il est temps de prendre ses responsabilités. Nos enfants vont nous demander demain qu'est-ce que nous avons fait pour notre population. Et je le dis, quel que soit le prix à payer, quel que soit ce qui va nous arriver, si c'est le prix à payer pour que nous soyons dans une logique d'autodétermination, nous irons dans cette direction. Je suis venu en paix, légalement. D'accord ? Je vis en Afrique depuis 2011. J'avais tout pour rester en Europe. Je suis rentré en Afrique. J'ai travaillé, je travaille en Afrique. Je suis chroniqueur sur les plus grosses chaînes de télévision. D'accord ? Je développe des entreprises pour la population. Nous avons des campagnes de microcrédit pour les populations. Le programme Allo Dos de notre ONG, Urgence Panafricaniste. Tout le monde sait ce que nous faisons en Afrique. D'accord ? Nous le faisons parce que nous aimons notre peuple. Mais il y a des gens à la tête de nos États qui n'aiment pas nos peuples. Il y a des gens à la tête de nos États qui aiment l'argent, mais qui n'aiment pas leur peuple. Il y a des gens à la tête de nos États qui aiment les chaînes, mais qui n'aiment pas leur peuple. Et ce combat-là, si nous ne le menons pas, nos enfants seront chaînés demain. Plus encore que nous ne l'avons jamais été. Donc prenons nos responsabilités. J'y vais, dès que je termine cette vidéo, je vais me rendre à la DST. D'accord ? Je n'ai commis aucun crime. Il est marrant que Sarkozy ou Bolloré puissent se balader dans des hôtels 13 étoiles, pendant que ceux qui se battent pour la libération de leur peuple sont dans une situation d'oppression systématique. Guinée, interdit de rentrer parce que nous devions parler de la malgouvernance et de la lutte contre la corruption. Togo, interdit de rentrer parce que nous devions parler du néocolonialisme et de la malgouvernance. Côte d'Ivoire, recherché par la DST. Sénégal, interdit de rentrer parce que, apparemment, menace grave pour l'ordre public au motif que j'influencerai trop la jeunesse africaine. Mais il faut que vous compreniez, chers dirigeants africains, que la jeunesse africaine a un cœur, que la jeunesse africaine a un cerveau et que la jeunesse africaine n'a plus peur. Je n'ai peur de rien sur cette terre. Je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques minutes. Je ne sais pas si à la DST, vous allez me garder, vous allez me tabasser comme vous avez l'habitude de le faire avec les prisonniers politiques, puisque vous passez votre temps à agresser, à défigurer les gens qui s'opposent par la pensée simplement à votre pensée mortifère et colonisée. Peu importe ce que vous allez me faire, sachez une chose, nous avons déjà gagné. Parce qu'à partir du moment où un individu est capable de tuer la peur, rien sur cette terre ne peut l'arrêter. L'Afrique libre ou la mort. C'est le titre de mon dernier livre et c'est le titre de ma pensée. L'Afrique libre ou la mort, quel que soit le prix à payer, nous irons au bout. Vous avez envoyé Gbagbo à la haie. Vous êtes allé le chercher comme les négriers allaient chercher des Africains pour les déporter dans les Caraïbes ou dans les Amériques. Comme Macky Sall m'a détourné, m'a arraché à ma terre sur laquelle j'étais installé, sur laquelle je travaillais depuis tant d'années, m'a déporté vers la France sur demande de Macron et probablement de son ami le président Ouattara. Eh bien, je dis une chose. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez contre nous, nous sommes là. L'Afrique est notre terre. La terre de nos pères. La patrie, c'est la terre de nos pères. Et nous avons comme devoir de défendre la terre de nos pères. J'aurais pu être planqué en Europe.
J'avais tous les avantages. Être planqué en Europe, ne jamais venir. Non, je suis rentré en 2011 en Afrique. Et j'ai dit, le combat que je menais en Europe, je vais le mener en Afrique. D'accord? Sans pour autant que ça m'empêche d'aller voir une partie de ma famille en Europe quand je le peux. Je me suis installé au Sénégal de 2011 à 2017, à la Deux Estivies, sur l'une des plus grosses chaînes d'Afrique francophone. J'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Vous m'avez incarcéré, puis vous m'avez expulsé quand vous avez vu que la jeunesse me suivait trop. Vous m'avez expulsé vers la France, qu'est-ce que j'ai fait? Quelques semaines à peine après, je suis revenu au Bénin. J'ai été engagé par Golf TV. J'ai mis les quartiers généraux de notre ONG ici. Grâce à Nicolas Anelka et des tas de footballeurs, nous avons monté une campagne, un programme de microcrédit pour les familles précarisées. À côté de ça, nous avons mis les entreprises en place où nous engageons un certain nombre de Béninois et d'Africains de manière générale. Et dans le même temps, nous faisons le tour du continent africain grâce à l'aide des footballeurs qui nous soutiennent, d'accord? Pour éveiller les consciences contre le néocolonialisme, contre le pillage de nos ressources. Je sais que dans la norme, l'Africain doit se taire, doit se soumettre. C'est ça le monde de la suprématie occidentale. L'Africain doit se taire, l'Africain doit faire du foot, l'Africain doit danser, l'Africain doit chanter, l'Africain doit zouker, l'Africain doit être dans Bobaraba. Et quand l'Africain commence à penser, il est considéré comme un terroriste par les autorités. Mais cette période va changer, quel que soit le prix à payer. Cette période va changer. Je ne suis pas planqué en Occident ou ailleurs. Je suis ici, à Abidjan, Afrique. Vous m'expulsez, vous allez m'expulser, vous allez me faire rentrer chez moi au Bénin. Et ça ne m'empêchera pas de continuer à mener le travail que je mène quotidiennement. Le combat n'est pas un jeu. Je le fais pour nos parents. Je le fais pour nos mamans brutalisées. Je le fais pour nos mamans qui ont été violées pendant l'esclavage, pendant la colonisation. Je le fais pour nos pères, nos grands frères qui ont été émasculés, qui ont été castrés, qui ont été violés, qui ont été brûlés, qui ont été jetés à la mer. Plutôt que d'atteindre la destination des Caraïbes. Je le fais pour tous ces gens-là. Je le fais pour Lumumba. Je le fais pour Sankara. Je le fais pour Kwame Nkrumah. Je le fais pour Béhanzin. Je le fais pour Winnie Mandela. La plus grande héroïne de celles et ceux que je viens de citer. Je le fais pour tous ces gens-là. Et ce n'est pas vous, messieurs les gouverneurs de la plantation coloniale, messieurs les Africains qui avaient décidé de vendre votre terre à l'Occident, ce n'est pas vous qui allez nous empêcher de mener notre combat. Arrêtez-nous! Faites-le pendant que vous faites la bise à Sarkozy. Sarkozy, d'ailleurs, qui a marié le président avec son épouse. Donc, il y a des liens très profonds qui sont faits. Ce qui explique que quand on assassine l'un des plus grands dignes fils d'Afrique comme Muammar Kadhafi, eh bien, monsieur le président applaudit. Il n'y a pas de problème. Faites ce que vous avez à faire. Nous ferons ce que nous avons à faire. L'Afrique est digne. La nouvelle génération n'a peur de rien. Nous continuerons, quel que soit le prix à payer. Et s'il m'arrive quelque chose, si vous me tabassez, si vous m'agressez, si vous m'incarcérez encore une fois, je suis habitué à la prison, vous savez. Vous me mettez en prison, je ressors toujours plus fort. Vous m'expulsez d'un pays, je ressors toujours plus fort. Donc, le combat s'accentue. Force et honneur, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Voilà, mes chers amis. Voilà encore un homme qui se sacrifie. Voilà un créateur de correction dans la matrice face aux multiples erreurs et bugs créés par tant de personnes dans le monde d'aujourd'hui. Tant de personnes corrompues par le mal au lieu de se faire corrompre par le bien, comme votre serviteur essaie de faire tous les soirs. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. J'aimerais un mot, il y a tellement de sujets, hein, mais j'essaye de raccourcir les vidéos, parce que c'est vrai qu'après, ça fait fuir des vidéos trop longues, et mes vidéos, vous me le dites beaucoup, elles sont trop longues. Même moi, des fois je cherche des passages, ça fait tellement beaucoup de vidéos et beaucoup de longueur que j'abandonne vite. J'aimerais juste vous montrer pour finir cet élément de manière extrêmement rapide. Après, je vais vous saluer et on va se quitter pour ce soir. Alors. Alors, je vous prépare ça. Bon, ben, on va faire les présentations. Alors, je mets ça à l'écran. Hop, regardez ça.
35 000 vues. Vous imaginez si, par exemple, la vidéo de votre serviteur d'hier était vue 35 000 fois et partagée 78 000 fois? Vous imaginez un peu l'impact qu'on aurait niveau éveil des masses? Non, la vidéo d'hier, elle a dû être vue peut-être 800 fois et 400 fois sur YouTube. Donc je vous invite, j'en profite, je vous invite vivement à regarder mon live d'hier. C'est très important et comportait des révélations et aussi un retour sur l'histoire. Donc je vous avais parlé de Spartacus, des Gaulois, des Orientaux aussi, et de Rome, de l'Empire romain. Alors, je vais accélérer cette vidéo parce qu'il n'y a pas d'intérêt à la regarder en entier. Regardez, 2 752 739 vues. Vous imaginez l'impact si c'était juste une vidéo d'éveil? 2 700 000 personnes auraient pu être éveillées. Alors, donc cette vidéo, je vous montre le début et après on accélère. Donc là, il est en train de lire des versets du Coran. Ça va durer longtemps, c'est pour ça que je vais accélérer. Donc ça va durer très très longtemps. Une fois qu'il a fini de tout lire, il va y avoir beaucoup d'attente dans cette position. Vous avez vu les gens entre adeptes et touristes avec leur téléphone et le petit garçon qui regarde ébahi. Bon, allez, j'arrête le massacre. Donc, que ce soit sous cette forme-là, sous cette croyance-ci, ou sous une autre forme, si vous croyez à ces conneries, vous n'êtes pas sorti de l'auberge ni l'humanité. Il va falloir ouvrir les yeux et vous réveiller, mes chers amis, il est temps, sinon nous sommes tous foutus, parce que nous sommes tous interdépendants et nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Là, ça vous fait certainement rire parce que je vous l'ai présenté et parce que ça frise le ridicule, mais croyez-moi, croyez-moi, vous croyez à une
énormité de conneries semblables, mais qui sont présentées de manière beaucoup plus perfectionnée tous les jours dans les médias, dans les discours politiques autour de vous, y compris autour de vous. Vous n'osez pas remettre en cause ou en question parce que c'est vous qui risque d'être, qui risquiez d'être désigné pour cingler, et du coup vous laissez faire, et pire, vous essayez de freiner d'autres personnes qui pourraient s'éveiller en faisant le jeu donc du système par la corruption intellectuelle. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vais lire donc vos derniers messages. Je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain pour un live comme tous les jours parce qu'il en va de ma peau. Alors, tiens, tout à l'heure j'ai vu, je crois qu'il y a quelqu'un d'un autre réseau. Hier, je m'excuse, j'ai vu des personnes donc de YouTube, je ne les ai pas saluées. Allez, je salue très rapidement. Je ne lirai pas vos messages, les amis. Je ne lirai pas vos messages. Je suis sûr qu'ils sont nombreux et très riches. Alors, bonsoir et bonne nuit à deux points, revenez à la ligne. Mohamed Khershouch, Nabi Hassaidi, Magali Rainbow, Asia Marie, Liège Soval, Igor Kluk, donc de VK, VK étant le Facebook russe, je vous invite à aller dessus. Tony Nero, Evelyne Poinçon, Stéphane Triponey, qui d'autre? Max Moondog, Mathieu Legrand, Vive le peuple! Harry Potter sur VK, Facebook russe. Josette Etève. Merci Josette. Francis CH sur VK. Ouloulou. Lisa Galliot. Diane César. Est-ce qu'on arrive en bas de liste? Alors j'ai vu. Tiens, de YouTube, ma chaîne de secours en revanche, hein, parce que sur mon YouTube officiel, je ne peux toujours pas diffuser des lives. Donc sur ma chaîne de secours, Sick Bizan. Ah bah tiens, tu as suivi mon live d'hier. Désolé pour les autres, ne soyez pas jaloux et jalouses, mais... Là, c'est intéressant ce que dit Sic Bizan. Salut Mehdi, c'est quand que tu nous parles du procès de Marie-Antoinette? Je vous l'avais promis hier. Effectivement, aujourd'hui, j'ai traité au plus urgent parce que il fallait dire un mot sur l'Afrique. J'en ai dit pas mal sur la révolution actuellement en Algérie. Là, j'en ai profité pour dire un mot sur Gbagbo et d'autres. Et vous avez remarqué. Je vous ai mis l'information, donc cet ancien agent de la DGSE qui a été abattu aujourd'hui sur un parking en France. Alors, ancien agent, moi j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce qu'on entend par ancien agent. Est-ce qu'il est à la retraite? Parce que il semblerait que son âge soit 53, 54 ans. Voilà, c'est. Quand son chien a la rage, quand on veut se débarrasser de son chien, je l'ai inversé, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. Et bon, ça colle à l'actualité, hein, parce que c'est quelqu'un qui a voulu éliminer un opposant au président congolais. Il a voulu, vous comprenez bien, qu'il n'a pas eu cette idée en se rasant le matin. Sauf qu'un mort aura toujours du mal à se défendre. Et ça colle donc à l'actualité de ce que je viens de vous montrer avec Kémi Séba. Alors, Sic Bizan, je dis tout ceci, mais je ne te réponds pas. Alors, pour Marie-Antoinette, je ne saurais faire une programmation, mais c'est sûr que
J'en parlerai, c'est sûr et certain. Alors désolé, je ne peux pas te donner de date. Mais au moins, je t'ai lu. Joachim Geronimo Lario, bonsoir. Je pense que j'ai vu tout le monde. Eh bien, c'est très bien. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit et on se retrouve, bien entendu, comme d'habitude, demain soir. Et je vous invite vivement, vivement à passer le pas et à devenir vous-même acteur, créateur, à être au rendez-vous avec l'histoire. Ce n'est pas un rendez-vous d'une décennie ou d'un siècle, c'est le rendez-vous de toute l'histoire de l'humanité de au moins 3 millénaires. En mettant votre gilet jaune demain à 13 h pendant 1 minute. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, soyez fiers, dépassez votre trac, faites-le, donnez l'exemple. Là, regardez, c'est beaucoup plus simple que de prendre des armes ou d'aller vous blesser ou d'aller à la confrontation avec les forces de l'ordre. Surtout pas faire toutes ces choses-là. Il s'agit de sortir votre gilet jaune, de le mettre pendant 1 minute à 13 h. Demain, après-demain, après-après-demain, le surlendemain. Tous les jours, sans exception. Faites-le, les amis, vous convertirez à chaque fois des indécis. Faites-le. Allez, bonne nuit.